Donc on est le samedi 18 juillet, regardez, il y a le vieux qui court et il y a la vieille qui court. Bonjour. Donc on est le 18 juillet, on est ensemble, elle est venue du côté de la Charente-Maritime, la petite madame, elle s'est tapée ses 7 heures de train. De façon à venir faire avec moi, la courageuse, à venir faire avec moi la sortie la plus longue de l'entraînement, du plan d'entraînement. Donc c'est une sortie de 5 heures. Alors je ne sais pas si vous remettez un petit peu ces lieux là. Vous les avez peut-être vus sur une autre vidéo. Nous sommes dans la forêt de Mervent. La forêt de Mervent est en Vendée, à 1h15, à peu près 1h15, 1h20 de chez moi. C'est un endroit qui est absolument fantastique. Donc on va vous faire partager un petit peu ça. Donc on part pour une sortie de 5 heures. Alors, tiens-moi celui-là. On va le mettre en bas. Voilà. Non, c'est dans l'autre sens. Comme ça. Là, là. Et celui-là, il vient ici. Donc en fait, ouais, on va enchaîner les 3 parcours, ces 3 parcours de VTT qui se positionnent à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'on va commencer par celui-là, on est là. On est là, on va faire celui-là, hop, 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 on descend là, là, là. Arrivé ici, au barrage, ici, on va récupérer ce parcours. Donc on fait celui-là, hop, 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 on refait le tour, on récupère celui-ci, on vient là, et quand on arrive là, on récupère celui-ci, on est ici, et hop, on fait le tour de celui-là, et on rentre à la maison. Enfin, pas moi, parce que moi, je suis quand même à 9h de chez moi. On rentre à la voiture. Voilà. Donc, on est parti, selon le bousin qui est noté là, on est parti pour... 12 alors, et 9, 12 62 et... 12 et 9. 21, 24, 34, si on écoute bien ce qui est noté, 34 km et 235 et 208, ça fait 440 on va dire, 600, pas loin de plus de 650, entre 650 et 700 mètres de D+, on va faire un petit peu de montée quand même. Un petit peu de montée, en Vendée, moins vers chez toi. Si on m'avait dit. Voilà, donc on va se faire ça. Ouais, on va essayer. On va essayer, hein, on va voir. Normalement, ça fait 5 heures, il fait bien chaud. Ouais, les conditions vont être... On est en forêt, heureusement, ça tient un peu près à l'ombre. Mais il est 16 heures passées. Mais il est 16 heures, on part pour 5 heures, ça veut dire qu'on va finir à 21 heures. Rien que d'y penser, ça va nous faire une bonne journée. Allez, ça. On se voit tout à l'heure. Salut. Bye. Alors, on va y aller. Pas GPS. Alors, le GPS, il ne veut pas capter sur sa montre, il capte sur la mienne. Okay. Et, alors moi, je suis un petit peu inquiet parce que j'ai encore mal aux pieds et mal à la cheville. Du coup, j'ai pas couru hier. À cause de ça, pour essayer de reposer, je devais courir pas hier mais avant-hier, je devais faire un 10 bornes et je l'ai pas fait, non pas parce que j'étais fatigué, parce que là la forme ça va, mais j'ai mal aux pieds et mal à la cheville, donc j'espère que ça va pas m'emmerder. Je suis un peu inquiet par rapport à ça. Voilà. Sinon je le laisserai sur le bord de la route et puis je viendrai le chercher en voiture. Pas de GPS, pas tant pis, on va y aller parce que sinon on n'est pas couché quoi. On y va, on y va, on y va, on y va. C'est parti. C'est parti, je démarre. Tac, allez. Bon, ben faut courir alors. Hein. Go. C'est parti, on y va. Bon, c'est parti pour 5 heures. A tout à l'heure. À tout à l'heure. On est au tout début. On se fait une petite grimpette là. Ah putain, il y a des bestioles qui volent de partout. Des mouches dans les oreilles, des moucherons. Donc, j'avais juste une petite devinette. Alors... Vers ici, il y a une fée qui est bien connue du coin, qui est une fée poitevine. C'est pas une fée bretonne, à la différence de beaucoup d'autres qu'on voit. C'est une fée qu'on voit beaucoup sur Poitiers, alentour de Poitiers, jusqu'en Vendée, même jusqu'à La Rochelle. Et c'était une fée qui avait une particularité. Elle se... Allez, je vous aide. D'abord, c'était une fée bâtisseuse, donc il y a énormément de tours, de donjons qui portent son nom. La tour, le donjon, le château, voilà. Il y en a beaucoup dans le coin qui portent son nom. C'est une fée bâtisseuse. Et la deuxième chose, c'est que c'était une fée qui avait une particularité. Une nuit par semaine, elle reprenait sa forme initiale, qui était un corps de femme et des jambes de serpent, pas des jambes, il n'y a pas de jambes justement, voilà, une queue de serpent à la place des jambes. Donc c'était pas une queue de poisson comme les sirènes, c'était une queue de serpent. Donc le petit jeu, si vous l'acceptez, Le petit jeu, si vous l'acceptez, ce serait sympa, ça coûte rien, vous gagnez rien. C'est de me dire tout de suite, d'essayer de trouver qui est cette fée Poitevine qui a une tour à son nom juste à côté sur le massif. Donc quelle est cette fée Poitevine? Je donnerai la réponse là dans l'épisode, donc avant la fin. Donc allez, vous mettez sur pause et vous mettez la réponse tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin pour la voir. Et si vous ne l'avez pas, je vous le dirai vers la fin de l'épisode. Allez, si on y arrive, ce n'est pas mort. À tout à l'heure. 1h00 et 18 secondes. On est à 8 km, presque 8 km 3. Et là on arrive dans un petit coin qui est sympa. On va prendre un barrage. Hop, on va passer au-dessus là. On va passer sur la route, hop, tout le barrage. Et on va aller récupérer un parcours qui est de l'autre côté. Donc comme vous pouvez voir, ça grimpe d'un côté, ça grimpe de l'autre. On est bien descendu pour descendre le barrage. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir remonter. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On y va ? Pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici. Donc voilà. On est à 1h, 8 km, donc on est pile dans les clous. Juste comme il faut. Faut pas qu'on ait un bon rythme. Faut pas qu'on aille trop lentement, sinon on va dépasser largement. Allez, on y va. La vieille qui court est comme moi. Elle a un gros souci que j'ai aussi. C'est que on a quoi? On a le vertige. On a le vertige. Tous les deux. Ouais. Et ça va pas en s'arrangeant avec l'âge. Et donc de ce côté ça va encore. De l'autre côté elle ne peut pas. Moi j'essaye de m'approcher à chaque fois. Je sais qu'il n'y a pas de danger particulier. Je me force. Oh putain. Je me force, donc on est en hauteur. Je me force à affronter parce que c'est comme ça qu'on avance. Mais ça reste haut quand même. Hein. Pour nous c'est haut. Voilà, donc c'est un souci qu'on a. Quand on est en montagne, on a fait déjà des randos et des trails en montagne. Okay. Ça nous est arrivé de faire demi-tour sur le trail, sur la rando. Non pas qu'elle était difficile, mais qu'il y avait un passage en crête. Aérien. Ouais. Voilà, passage en crête, chose comme ça, ouais. bord de falaise, sur lesquels on n'est pas capable de passer. Et puis ça prévient pas quoi. Un coup ça peut aller et puis après je sais pas. Quand la panique est là, c'est fini. Donc, c'est une petite demande qu'on a auprès de ceux qui regardent. S'il y a des gens qui savent comment gérer ça, le vrai vertige, hein, je ne vous parle pas juste un peu, voilà, le vertige qui fait que vous êtes tétanisé. Le vrai vertige, s'il y en a qui savent comment gérer ça, hop, voilà, bon, on a traversé tranquille, là. Ouais. Pas en courant, mais on a traversé tranquille. Donc, s'il y en a qui savent comment gérer ça, on est preneur de tous les conseils pour ce genre de choses. Oh, chute de pierre. Boum, aïe. Et voilà. Allez, à plus tard. Allez, grimpe. Là? Ouais. Donc, comme dit ma chérie, il y a des bêtes là. Il y a des bêtes là. Il y a des bêtes. Ah oui, non, mais c'est sûr. Je reste devant d'ailleurs. Merci. Hop. Non, mais attends. Peut-être des boas de Vendée, tu sais pas. Hein. Ouais. Tu feras gaffe dans le lac en bas. J'ai entendu dire qu'il y avait des alligators. À part le lapin adulte, il n'y a rien de dangereux dans cette forêt. Ouais. Ils ont bien amené des grenouilles américaines, là, je sais pas trop quoi, les grenouilles taureaux. On va savoir, il y a bien un con qui va ramener un crocodile. Ouais, on s'en servira à Nîmes pendant la feria. Hein. Servir des grenouilles taureaux pour faire des... Ouais, dans les arènes. Des corridas. J'allais dire des rodéos. Voilà. Ouais, je suis fatiguée déjà. Des corridas. Mais oui, des corridas. Taureau-piscine. Ouais. Hop, presque 1h50 de course. On est à un peu plus de 13 bornes. Donc, il aurait fallu qu'on soit à 16, là, à 2 heures. Pour être à 8 de moyenne, on est un petit peu lent. Donc, il faut qu'on essaie de plus perdre de temps. Sinon, il va nous falloir 3 jours pour faire le tour. Voilà. Et moi, on est en train de bouffer des bestioles. On bouffe du moucheron. C'est ça. Quand on court dans la forêt, il y a des moucherons partout. Et puis je viens de foutre un bon coup de latte dans une racine qui sortait. Je regarderai les résultats tout à l'heure. J'espère que je ne me suis pas explosé un orteil. Là, ça va taper fort. Voilà. Allez, on continue. Un peu plus de 2h30. Un peu plus de 18 km. la moitié de la durée, la moitié de la distance. On est pile dans les clous, sachant que la deuxième partie est souvent plus fatigante que la première, forcément, parce qu'on a déjà la première dans les pattes. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on traîne. On s'est mis un petit ravito à la voiture, à peu près un gros 2/3, donc dans 5-6 km. On va s'arrêter à la bagnole, ça va nous permettre de recharger les flasques, recharger la poche à eau qui a bien morflé. Là, j'avais 3 litres de flotte sur moi. Je dois avoir bu un bon 2 litres là, sans problème. Et toi? Je sais pas. T'en es où de tes flasques de devant? Elles sont encore remplies, surtout une. D'accord. Donc t'as pas beaucoup bu en fait. Vu la chaleur qu'il fait. Voilà. Par rapport à la flotte justement, un petit truc, une petite astuce qu'on utilise quand il fait chaud comme ça, très vite, flasque et poche à eau deviennent chaudes. Ça chauffe. Alors, ce qu'on a trouvé comme système, qu'est-ce que t'as vu? Non. Ce qu'on a trouvé comme système, c'est que la veille, on les remplit, flasque et poche à eau, presque en entier, on va dire au 3/4, un bon 3/4, et on met tout au congèle. Comme ça, quand on part... Ça pèse 300 kilos. Non, ça pèse le même poids. C'est la même matière. Non. Ah bon? Quand c'est l'eau gelée, elle pèse plus lourde que l'eau pas gelée. Ben oui, d'accord. Non, d'accord. Ok, ok, ok. Et donc, comme ça, on rajoute juste un peu d'eau au moment de partir dans la flasque et dans les poches à eau. Et comme ça, on les garde fraîches un peu plus longtemps, on va dire. Oui, ça marche bien. Ouais. Donc là, on est à 2h30 et ma poche à eau dans mon dos commence un peu à se réchauffer. Elle n'est pas trop chaude, mais elle est plus fraîche comme elle était. Pendant tout un moment, j'ai pu boire de l'eau bien fraîche. Voilà. Et ça, c'est bien cool. Donc si vous avez des systèmes, d'autres systèmes, pour tenir encore plus longtemps, eh ben, on est preneur. Donc il faudra qu'on teste la même chose, mais on avait dit qu'il faudra qu'on découpe un sac congélation. Vous savez, les sacs isothermes qu'on a en grande surface pour aller faire ses courses quand on achète des pizzas congelées. Non, c'est pas bon les pizzas. Si, c'est bon les pizzas congelées. Des glaces, voilà. Et donc, il faut récupérer un sac comme ça, puis le découper et faire un peu de couture maison pour se faire une poche isotherme à la poche à eau, de façon à éviter que le glaçon fonde, encore gagner un peu de temps dessus. Faut qu'on fasse l'essai. Allez, on relance parce qu'on a encore du boulot. Allez, à plus tard. 3h10 de course. Dans 300 mètres, 400 mètres, là, une petite ligne droite, et on y est. On est au ravito. Donc on aura fait un gros 2/3. On sera à 23 km sur 35. Donc c'est ça, voilà, il nous restera une boucle de 12 à faire. 23 sur 35 qui était prévu. Donc on va s'arrêter au ravito un petit peu. On va poser les jambes. On va remplir les gourdes. Oh, un petit 5 minutes, pas beaucoup plus, sinon après on va... Tous les muscles vont durcir et on ne pourra pas redémarrer. Et on y retourne. Ça va ma chérie? Difficile. Ah mais on n'a jamais dit que c'était facile. Hein, je n'ai pas le souvenir d'avoir dit ça moi. Allez, à tout à l'heure. Alors, on a fait notre pause. Ça fait du bien. Ouais. Elle a fait du bien. On a fait notre pause, on s'est arrêté une dizaine de minutes, quelque chose comme ça. Oui, oui. On a rechargé les gourdes, la poche à eau. On a vidé ce qui ne nous servait plus. Comme les lunettes de soleil, par exemple. Voilà, parce qu'il doit être un peu près 23h30. Non, mais pas 23h, mais je sais pas, il est pas loin de 20h là, je pense. 19h30, 20h. Et voilà, et on est reparti. Donc il nous reste 12 bornes à faire, enfin 12 plus que 11 là, parce qu'on vient de démarrer, on en a fait une. 11 km à faire. Hop. Ils sont pas plus techniquement pas plus difficiles que ce qu'on vient de faire avant. On a déjà fait 24. Pas plus dur. Et ce qui va être dur, c'est que on en a déjà fait 24. Voilà. Ça commence à tirer un petit peu. Enfin pour moi, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais bon. En tout cas, je suis super fier qu'on fasse ça. C'est chouette de le faire tous les deux, c'est sûr. Toute seule, je sais pas si j'aurais pu. Merci. On n'est qu'au début, hein. Ouhou. On va essayer d'aller au bout. C'est ici. Tout droit. Ah. On traverse un petit pont là. Ah, c'est mignon comme tout. Oui. Allez, vas-y, je te regarde. T'as le courage? Oui. Tu vas passer là? Bah, c'est pas mouillé alors. Ça va, t'as pas le vertige? Non, ça va. Celui-là, il passe bien? Ouais, par contre, je suis crevée, j'ai mal aux genoux, je te déteste et je déteste la terre entière. Et je déteste la forêt, les arbres, tout. Et voilà. Et voilà, d'accord. Bon, bah. Non, mais je suis fatiguée. Je crois que c'est même sûr, c'est ma première longue distance. J'avais jamais fait comme ça. Donc, voilà. C'était quoi ton record avant? 25, je crois. Et ou 24. Et qu'on avait fait où? 24 25 à Volvic, 24 à Nîmes. Mais c'était bien. Là, c'est super bien, mais c'est dur. Et, mais c'est cool. Allez, cause-toi. Moi, je peux plus. Allez. Putain, ça monte. Non, non, c'est là-bas. Mais non, regarde, il y a le bousin. Non, non, mais... Ah, bah tant mieux, c'est là, alors. 6... Oh, merde. Oh, je sais plus. Oh, on va aller voir là-haut si c'est bien le bousin, mais je crois pas. Mais si, alors, non, si, et puis hop, hop, regarde. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est qu'on monte là et on prend à droite tout de suite. Ça. Tu vois, heureusement que je suis là. Punaise, ouais. C'est une catastrophe, garçon. Ouais, on s'est un peu planté, alors j'en ai pas parlé en vidéo. Ouais, mais c'est pas mal. Mais tout à l'heure, enfin, un peu. On s'est un peu plantaxé sur un des parcours qu'on a fait qui était super pas bien balisé en fait. Oui. J'ai essayé de suivre avec la carte et, vrai que pas et on a coupé, on a perdu ouais, au moins 2 bornes quoi. Ouais. On a coupé 2 bornes. Donc c'est pas grave, on va avoir nos 35 quand même. Mais, allez, on court. Allez, vas-y, on fait semblant. On y va. 4h33 de sortie. Ça va? Non. Ça devient dur là. Ça devient dur. Il nous reste, si on en suit le chrono et qu'on est juste, il nous reste un peu moins de 4 km à faire. Et ça devient très difficile. Stéphanie n'arrive plus à courir. Mal aux jambes, mal aux genoux, mal aux chevilles. Voilà. Donc, d'où l'importance d'entraîner son corps à faire des longues distances et des longues durées pour passer. Moi j'ai le souvenir, je ne sais pas si vous vous souvenez, de celle que j'ai faite ici il y a un mois avec Yann. J'ai fait 22-23 km et j'étais au bout de ma vie. J'étais mort. Et derrière, j'avais fait une sortie de 4 heures que vous avez dû voir aussi. Et celle-ci, et du coup je suis étonné qu'elle passe pour moi bien. Je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est pas aussi douloureux sur plus de 30 bornes, c'est moins douloureux que ça l'a été sur 23. Alors peut-être qu'on n'est pas au même rythme aussi, mais encore on n'était pas allé super vite avec Yann. Voilà, puis je vais revenir sur la petite devinette que je vous avais posée en début de vidéo. Donc est-ce que vous avez trouvé cette fée du coin qui est très connue en plus? Quand, si vous n'avez pas trouvé, quand je vais vous le dire, vous allez dire mais oui, c'est bien sûr. Donc allez, on essaye de chercher encore un petit peu cette fée bâtisseuse qui une nuit par semaine se transforme en mi-femme, mi-serpent. Allez, la fée mi-femme, mi-serpent. Vous avez regardé sur internet peut-être? Fée du Poitou. Ça commence par un M. C'est comme Poitou, voilà, comme Poitou avec un M. Vous savez que une banane, ça commence par un B, mais normalement ça commence par un N. Et parfois par un P d'ailleurs, on m'a dit. Donc, je vous laisse chercher. Et donc, cette fée du Poitou, ça commence par un M, vous avez trouvé, c'est la fée c'est la fée Mélusine. Et ben voilà, c'est la fée Mélusine. Et si vous faites un tour vers ici, vous verrez qu'un peu partout dans la région, il y a des tours Mélusine, il y a des châteaux Mélusine, il y a des abris, il y a des... Voilà, la fée Mélusine est un peu partout dans le folklore local, très connu. Et d'ailleurs... Il y a, je suis en train de chercher un youtubeur qui a fait justement 5 théories, c'est Didi Chandouidoui, voilà, je retrouve son nom, et qui a fait un 5 théories sur le Poitou. Non, c'est pas un 5 théories d'ailleurs, c'est un 5 légendes, je sais plus, je vous mettrai le lien, tiens, sur le Poitou et qui parle de la fée Mélusine. Il en parle un petit peu. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir cette vidéo de Didi Chandouidoui. Allez, il nous reste 4 bornes à faire, même pas. 3,5. Tout à l'heure c'était 3, maintenant c'est 4. 3,5. C'est toujours comme ça. 3,5 dont j'ai prévenu Stéphanie. Il y a un point sur lequel il n'y a pas de bol. C'est qu'en fait, je crois que la plus grosse difficulté des 35 km, je l'ai prévenu, c'est la putain de dernière côte. S'il y en a qui connaissent la forêt de Mervent, c'est quand on est en bas et qu'on monte, je vous la montrerai, je ferai quelques images, et qu'on monte dans le village, il y a une putain de côte qui dure, elle dure pas 1 kilomètre, mais elle fait un bon 500 mètres, et c'est la fin, et ça va nous fracasser. Voilà, je pense qu'on va la monter en rampant. Bah, tu vas chercher la voiture en fait. Voilà, on va faire ça. Moi je vais m'arrêter au bar. Voilà, on va faire ça, et puis à l'Ultra 01 qu'on est en train de préparer, à 2 km de l'arrivée, tu me diras, bah tu vas chercher la ligne d'arrivée, tu vas chercher l'arche, ils vont la déplacer. C'est une bonne idée. Voilà, on va faire ça. Bah oui, c'est le stade Maton, en plus il faudra déplacer. Je pense que les rugbyman ils seront pas. Au Yona, ils sont forts hein, au rugby, ils seront pas contents. Donc voilà, à 1 km ou 2 km de la fin, on ira chercher l'arche d'arrivée. Ouais. On va leur dire. Ouais. Oh, ça suffit, on en a fait assez. Non, mais les rugbyman, ils le feront pour moi. Sans problème. Allez, salut. Eh ben, on y va et puis on va vous montrer ça. Plus loin. Salut. À tout à l'heure. En général, ça donne rien en vidéo, mais on voit pas les côtes. Et là, ça aplatit. Mais là, on a une putain de côte. Ah, on la monte en marchant, c'est la fin. Il reste moins de 2 bornes. On la monte en marchant. Mais putain, celle-là, je sais qu'elle fait mal. Je l'avais montée à vélo déjà et elle déchire sa mère. Allez, on la grimpe. On en discute là-haut. À tout à l'heure. Oh bah, j'ai vu la gueule de la grimpette. Allez. Tu quoi? Je suis morte. Donc on a fait 47 km. Avec non, 712. De déclus. Vive la Vendée, je déteste la Vendée. Voilà, voilà, moi je me suis dit on va faire la Vendée 5 heures, ça va être plat de chez plat. Bah dans le cululu. Allez. Allez, attention, on coupe les... Allez, on coupe les montres. Coupe les montres. Yes, bravo mon chéri. Je suis au bout de ma vie, merci. Merci. Allez. Tu m'as drôlement aidé. Sans toi, je serais pas... Putain, je suis morte, je suis morte, je suis morte. Allez, t'as coupé la prochaine. Montres. La prochaine. C'est l'ultra. Si je me suis pas fait mal. Et après... Je vais faire que des 10 km. Ouais. Ouais. Bon, un petit bin sur la dernière descente quand même. Oh, punaise. C'était trop difficile pour moi. Mais je suis arrivée quand même. Ouais, puis une petite douleur dans le genou quand même. Oui, mais ça va. Ça va chiant, ça. Parce que j'ai mal... C'est la fatigue. Ouais, je me suis mal réceptionnée dans la... C'est pas grave. Allez, on se change. On se change et puis on fait un petit point juste après. A tout de suite. Alors, on fait un petit débrief de la sortie. Là, il est 22h32. On est sur la route en train de rentrer. Voilà, on n'a pas fait le débrief tout de suite parce qu'on avait une urgence. Je vous verrai l'urgence. Il a fallu absolument qu'on aille boire une bière au-dessus du lac de Mervent. C'est pour ça que je suis pas morte. Donc, voilà, c'était l'urgence. Elle était là. Aller boire une bière tant qu'il ne faisait pas complètement nuit. Là, il fait nuit. C'était super beau. On a bu une bière et tout. Donc, c'était trop bien. C'était sur les hauteurs du lac. Je vous mettrai, enfin, je vous ai mis la photo là. Et voilà. Petit débrief donc sur cette sortie. 30, presque 35 bornes, 34,5 passées. Presque 35 bornes en 5h01, je crois, un truc comme ça. Donc c'est mon record en longueur, yeah. Voilà, et record en longueur, record en temps pour nous deux, parce que je crois que mon record devait être à 34 et voilà. Alors arrête de causer, c'est son record en temps, parce que ça aurait pas dû être son record en temps. Parce que là, il a été juste très gentil. Il a attendu sa vieille, mais quand je vous dis attendu sa vieille, il l'a vraiment attendu. Et je pense qu'il aurait, alors il me dit modestement, oh, j'aurais mis un petit quart d'heure de plus. Non, 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 pardon. Je suis fatiguée et j'ai bu une bière. Gagné... Non, non, mais je rigole pas en plus, j'aurais gagné un quart d'heure, 20 minutes. C'est moi qui cause. Non, 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 il était vraiment en super forme et du coup, bah, il a été mignon et il a attendu parce que moi, j'ai lâché l'affaire hyper vite. J'ai lâché l'affaire dans ma tête à 13 bornes, mais ça je ne l'ai pas dit, je lui ai dit juste 2 km avant d'arriver. Un peu à cause de lui, non c'est pas vrai. Mais enfin il a dit un truc qui n'a pas arrangé, ah, je vais le faire mariner. Parce qu'il a fait une vidéo d'ailleurs, ou peut-être pas, si je crois qu'il était en train de faire une vidéo, non. Mais bref, j'ai entendu dire oui, si c'est ça. Bon alors on en est à temps et là bon, mince ça coince un peu, pardon. Ça coince un peu parce qu'on devrait être à 16 finalement, si on avait gardé le rythme, on devrait être à 16 bornes. Bon, tant pis. Et là, ah, j'avais déjà l'impression moi d'être à fond, enfin à fond, puisque j'avais en tête, du coup, t'as 5 heures à tenir cocotte, donc tu vas y aller, mais mollo de chez mollo, quitte à mettre du gaz que dans la dernière heure. C'est pas la bonne tactique, mais c'était la mienne, je suis partie comme ça. Et c'était évident que d'entendre ça, du coup, j'ai fait « Ah ben merde, alors je suis mal barrée. » Non, mais bon, voilà. Et puis, en fait, bon, plein de petites choses. Mais voilà, pour vous dire qu'il a battu son record en temps, mais voilà, à cause de moi. Parce que... À cause de toi. Le petit non, mais vraiment. À cause de toi. Non, mais arrête. Si non, veux, mais vraiment. Bon. Donc voilà, bref, allez, à toi. Donc, on avance sur le débrief. Oui, pardon. Donc, bon, une fois que c'est moi qui cause, et oh. Donc on a quand même très bien roulé, c'est-à-dire qu'on est à un poil plus de 7 km/h de moyenne. Et je sais que j'ai marché. Hein. Sur 5 heures, 7 km/h, bah, normal c'est une traîne. 7 km/h de moyenne sur 5 heures, ça commence à être intéressant. Je veux dire, on n'est pas sur du 4 ou du 5, je veux dire, on n'est pas sur de la marche. Hein. 7 km/h, c'est qu'il y a eu de la course. Alors je conduis en même temps, donc c'est pas bien, oui, mais c'est pas, moi qui filme. Ah, donc... alors sur les équipements, donc on était équipé en light, c'est-à-dire moi j'avais un maillot, un short trail, une paire de chaussettes et j'avais mes au pied j'avais mes Salomon Sense Ride. C'est ça. Donc mes Sense Ride 2. Celle que j'avais sur le petit trail qu'on avait fait déjà il y a 15 jours ou 3 semaines, ouais, je ne sais plus. Dans l'Isère. C'est putain, c'est que du bonheur ces pompes en fait. C'est que du bonheur, elles sont super light. Seul petit bémol, et c'est la première fois que ça m'arrive, dans une montée, j'ai foutu un putain de coup de pied dans une racine. On n'a pas regardé. Et il y a une dame avec nous, mais voilà. Bon, je sais pas. Donc j'ai mis un gros coup de pied dans une racine et je me suis aperçu que le pare-pierre qu'il y a sur ces chaussures-là, est un peu plus léger que ce que j'ai pu avoir sur d'autres paires de pompes comme les Kalenji ou des choses comme ça où le pare-pierre est quand même beaucoup plus solide et là j'ai cru me faire mal, alors c'est passé assez vite mais j'ai eu peur parce que c'est des coups à faire sauter un ongle ou deux et sur une sortie comme ça c'est pas cool. Voilà, donc ça c'était ma tenue. Toi au niveau de... Et puis si pour finir j'avais mon sac de trail 10 litres dans lequel j'avais, alors on en parlait, dans lequel j'avais une poche à eau de 2 litres plus mes 2 flasques de 600 ml, donc j'avais 3,2 litres. Voilà. Allez, ton matos toi. Alors chaussures, c'était les Kalenji MT. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc j'ai pas beaucoup testé jusque là. Je crois qu'elles ont 30 bornes, un truc comme ça. Donc bien. Bien, elles m'ont bien tenu le pied, j'étais bien, donc là le choix va être compliqué maintenant de, entre... Ni pour l'un ou l'autre, pas de douleur, hormis le coup de pied, ouais, dans la racine, non, rien du tout. Sinon pas de douleur, pas d'ampoule, pas de frottement, pas de choses comme ça. Pas de pied qui bouge, voilà, non, vraiment super, donc ça va être, le choix va être difficile je pense entre les XT et les MT. Bon voilà, donc j'avais ces chaussures, donc nickel, on avait un terrain sec aujourd'hui. Donc c'était bien, il y avait 2-3 petits passages de bestioles, donc Pierre a quand même réussi à saloper ses pompes, mais sinon non, c'était vraiment sec, donc voilà, c'était bien. Après j'avais, moi j'avais une petite jupe de trail avec le cuissard intégré. La jupe Evadict. Ouais, la nouvelle, oui, parce que je l'avais encore, c'était pas la jupe de trail, c'est la jupe running du coup. Elle n'est pas dans le rayon trail, elle est dans le rayon running. Et elle est même mieux puisque le cuissard est un peu plus long, celui qui est donc inséré dessous. Et enfin, moi perso, ça fait déjà 2 fois que je mets cette jupe. Et là, en plus, pour le coup, longtemps. Super, ça bouge pas au niveau du cuissard parce que c'est un petit peu embêtant. Après, quand ça, voilà, nous les filles, en plus, on n'a pas trop envie d'avoir des trucs qui nous rentrent un peu de partout, souvent le cas. Titre, je le dis avant qu'il le note. Et en haut, j'avais, bon, moi j'avais une brassière, donc ces brassières, elles sont super parce que j'ai pas de signe d'échauffement. On verra quand on arrive, mais là, il n'y a pas de, j'ai pas de gêne sous la poitrine, dans le dos et tout, donc je suis bien contente. Et mon maillot Salomon fétiche que j'aime beaucoup. Voilà, avec mon gilet 10 litres pareil. Voilà, c'était le sac de trail, c'est pas un gilet, c'est un sac de trail. C'est un sac de trail. Donc ma poche à eau de 2 litres et mes 2 flasques de 600 millilitres. Alors les 2 flasques de 600 millilitres dans ce gilet, pas top. Les poches pour insérer les flasques sont quand même pas faites pour du 600 millilitres et je sais pas. En plus on a, enfin les pipettes là qui pendouillent. Enfin bref, bon c'est pas génial. Donc j'étais contente de les enlever quand on était au ravito là. Et puis heureusement que j'ai un cadreur avec moi qui fait le cadrage. Il se dit mais c'est quoi. Voilà. Et moi j'ai peut-être pas assez bu, mais bon. Voilà, quoi dire d'autre? Ouais, alors un petit topo sur l'hydratation. Donc on a, il a fait chaud, ah oui. chaud. Ça, moi j'aime pas. Moi je suis, j'ai bu 1 litre à l'heure et c'était pas trop. Voilà. Pas moi. J'avais 3 litres sur moi. Quand on est arrivé à la fin des 3 heures au ravito, j'avais vidé mes 3 litres. Donc 1 litre à l'heure et après je suis reparti avec une gourde de 2 litres pour les 2 heures qui nous restaient après le ravito. Poche à eau 2 litres pleine et je l'ai vidé. Donc ouais. C'est ça, 5 litres, j'ai bu 5 litres de flotte, enfin de flotte, et puis j'ai mis des poudres Decathlon, je pense que ça a vraiment de l'effet, mais en tout cas, c'est pas mauvais. Voilà, pas mauvais, j'aime bien le goût, et c'est agréable. Par contre, Stéphanie a beaucoup moins bu que moi, ouais. C'est-à-dire qu'à la pause des 3 heures, elle n'avait pas bu la moitié de ce qu'elle avait. Ouais, ah, il y a un radar ici. À la pause des 3 heures, elle n'avait pas bu la moitié de ce qu'elle avait, ça veut dire qu'en 3 heures, elle avait bu peut-être 1,5 litre, peut-être même pas. Ben oui. Et ça, source numéro 1 avant tout le reste, source numéro 1 des pépins, des douleurs, des voilà tout ce que vous voulez sur de la sortie. Les muscles, les tendons, les articulations, toutes les douleurs d'articulation, des choses comme ça. Si vous ne buvez pas, alors ça c'est garanti au-delà d'1h30, 2 heures, c'est parti, vous avez tout ce qu'il vous faut. Oui, ouais, j'ai pas l'expérience de ça encore et puis peur de se remplir le ventre et d'avoir mal. Non, c'est dans des conditions comme ça, c'est bah oui, plus d'1 demi-litre à l'heure sans problème et ouais, pas loin d'1 litre à l'heure parce qu'il est chaud et puis. Ouais, donc sûrement pas assez bu, enfin, c'est évident. Ouais. Mais voilà. Heureusement, j'ai bu une bière à la fin. Voilà, on avait fini de courir. Alors, un petit point sur la bouffe, de quelle manière on s'est alimenté. Déjà, on a mangé avant de partir, c'était mieux. Hein, moi, je bossais jusqu'à 14h, c'est pour ça qu'on est parti tard. En fait, j'ai travaillé jusqu'à 14h. Et donc, ma chérie m'avait préparé des super sandwichs, crudités, surimi, et plein de trucs dedans. Mais il y avait des chips aussi. Et des chips aussi. Donc, un truc de folie. Donc, deux bons sandwichs comme ça, deux bons sandwichs. On a bu un peu de la flotte sur la route parce qu'il faisait chaud déjà sur la route. Moi j'avais mangé avant, mais la même chose que Pierre, mais un sandwich. Voilà. Ensuite, pendant la sortie, comment on s'est alimenté? Alors, moi j'ai pris, si je me souviens bien, j'ai commencé par prendre un petit liquide magnésium de Decathlon. J'ai pris au bout d'1 heure, qui est un anti-fatigue, qui est relativement, que je trouve efficace. Voilà. Ensuite, une petite heure après, j'ai pris un gel longue distance de chez Decat. Voilà. Ensuite, on est arrivé à la fin de la 3e heure. On était au ravito. Là, au Ravito, j'ai pris une barre IsoStar, ouais, je ne sais plus ce que c'était comme barre, une barre à la banane et chocolat blanc. Ouais, voilà, qui est bien passée, qui était assez light et qui est bien passée, qui n'était pas trop sucrée. Et pendant la dernière heure... Et une compote aussi. Ah oui, non, je ne l'ai pas mangée la compote. Tu me l'as sortie, mais je ne l'ai pas mangée. Ah. Et puis pendant la dernière heure, j'ai pris, pendant la dernière course, j'ai pris un booster de chez... Oui, c'est IsoStar, toujours. Oui, c'est IsoStar, oui. Oui, c'est ça. J'ai pris un booster que j'ai utilisé déjà, je vous ai montré à plusieurs reprises, parce que je l'ai trouvé efficace. Alors, peut-être que c'est dans la tête, j'en sais rien, mais à la base, c'est quand même pas fait pour ça, que dans la tête. Et je vous avoue franchement que moi, je les trouve, dans tous ces moments-là, je les utilise quand je fais les fractionnés longs, quand je fais tout ça, et je les trouve vraiment efficaces parce que je trouve qu'ils refilent un coup de pêche, réellement, mais en fait, ils font baisser la sensation de fatigue et de douleur. Et donc, on a l'impression d'être frais, en fait. C'est ça qui est, enfin, frais, tout est relatif, on a l'impression d'avoir la, oui, presque d'être frais, de pas être fatigué. Et c'est vraiment impressionnant. L'effet dure entre 25 et 40 minutes, je sais pas, à peu près, quelque chose comme ça. Ça s'arrête pas net comme ça. Donc, et c'était... Voilà, et j'ai fini avec ça. Et puis après, ça a été ça. On avait emmené plus en se disant on mangera plus. Et en fait, non, on n'a pas mangé plus. On avait du miel, on avait des gels, on avait plein de trucs comme ça. Et du coup, on n'a pas... Enfin, pour ma part, j'ai pas mangé plus. Et toi? Alors moi, j'ai commencé par un petit gel... IsoStar antioxydants, les petits flacons rouges, je crois, qui sont cranberries. Je mettrai des images sur la vidéo. Ouais. Et alors c'est vraiment, il n'y a pas grand chose. Je me suis dit oh, il n'y a pas grand chose, mais ça a un super goût, très agréable. Donc j'ai commencé par ça, mais pour moi, ben c'est le même souci qu'avec l'hydratation. J'ai pas eu envie de trop m'alimenter et de trop m'hydrater, quoi. J'avais vraiment du mal à vouloir insérer de la bouffe dans mon estomac ou du liquide. Après, j'ai pris une barre, la même que Pierre, mais je l'ai prise avant moi. Je ne sais plus à quel moment, hein, j'aurais dû être plus rigoureuse pour vous le dire correctement. Je ne sais plus trop. Cette barre donc au chocolat blanc, tout ça, elle est assez grosse quand même, c'est pas mal ce truc, moi j'aime bien. Ensuite au Ravito, j'ai pris une petite prune que j'avais ramenée pour... le fruit, hein, pas la boisson. Oh. Évidemment, le fruit, la prune, le fruit. Et une compote. Et puis déjà j'avais l'impression... manger un méchoui. Après Pierre m'a dit j'aimerais bien, je vois que t'es pas quand même super et tout en forme, que tu prennes le gel, donc il m'a filé le gel la liquide truc magnésium là, je suis désolée hein, moi je ne retiens pas les noms, qui m'a fait du bien, oui, parce que c'était agréable, vraiment. En plus celui-là il est ultra liquide, c'était vachement bien, ça pour ça, mais après voilà, ça m'a fait du bien sûrement, peut-être que c'est ça du coup aussi, c'est pas que lui qui me disait allez, là. Mais bon, en tout cas c'était vraiment pas désagréable. Et puis je crois que c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, que ça s'est bien passé, c'était bien cool. C'était bien cool pour les deux. C'était la plus grosse sortie de l'entraînement. Ouais, voilà. La plus grosse. On vient de finir. Ça y est. On vient de finir la plus grosse semaine. Voilà. La semaine 7, c'était, j'en ai parlé à plusieurs, enfin nous en avons parlé à plusieurs reprises, c'était la plus grosse semaine de notre programme d'entraînement. Voilà. Donc ça. La semaine prochaine, c'est semaine de récup. Ça tombe bien parce que je n'irai pas courir demain. Moi non plus. Semaine de récup, moi sur la semaine de récup, j'ai que deux sorties. Une sortie 1 heure et une sortie 1h15, je crois. Un truc comme ça. Moi sur 3 sorties, j'ai 2 sorties. Parce que moi je suis pas une feignasse. Sortie, voilà, c'est ça. Et donc voilà, et il nous restera une sortie longue de 3h30 dans 15 jours. C'est ça. Et puis voilà, et puis on verra à ce moment-là. Voilà. Et puis moi je suis désolée, mais aujourd'hui quand même, c'était pas facile. Ah non. Ça, personne n'a jamais dit que c'était facile. Voilà, donc on n'a jamais dit que c'était facile. Par contre, on a dit que c'était faisable. La preuve. Et puis, juste pour finir, hein, bien sûr, si nous, on est capable de le faire, que ce soit l'un ou l'autre, hein, avec son passif sportif proche de zéro et mes 15 kilos en trop, hein, de pas coureur du tout, ben, si nous, on est capable de le faire, ça veut dire que toi, tu es capable de le faire aussi. C'est ça. Allez. On rentre. Bye, on s'en va. Ciao, ciao. Je veux voir ça parce qu'elle s'est moquée de moi, puisque ça m'était arrivé il y a quelques jours. Bah oui, mais parce que donc, t'as posté la vidéo aussi, c'est facile de se moquer. Alors, ça donne quoi? Eh ben moi, ça va bien. Et je vais même te faire le sirtaki. J'ai mal. Vrai, allez, coupe cette vidéo. En vrai, j'ai mal. Voilà. Allez, allez, fais le mariole. Non, j'ai mal aux jambes, ouais. J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. Je suis vieille. Allez, tourne, tourne. Then so